Salut à tous, épisode numéro 134 de Road to 1 million. Alors, bonne nouvelle, on s'était laissé sur un gros problème lors de l'épisode précédent, problème de courrier international ici à Kronfall, mais finalement le problème il va pas être si compliqué que ça à régler. Je pensais qu'on allait devoir agrandir Manola pour faire arriver plus de courriers international, mais en fait c'est juste un problème d'acheminement pas assez rapide. Donc ça c'est plutôt facile à régler. Voilà, on voit qu'il y a quand même une belle diminution ici, un stock qui est assez petit, mais finalement ce qu'on va se contenter de faire c'est tout simplement côté nouveau monde. Voilà, donc ici on a nos deux principaux bureaux de poste, voilà, qui génèrent quand même rapidement du courrier. Et en fait on a un courrier local là, notre stock est plein en fait, hein. Voilà, donc ça veut dire qu'on a quand même une belle marge. On va juste mettre un sur notre route qui amène le courrier à Kronfall, un dirigeable supplémentaire. Donc Kronfall Manola, c'est celle-ci. Voilà, à Kronfall, à Manola, on va prendre 100 de plus. Alors j'ai quand même envie. Voilà, on va faire ça. C'est bon, c'est parti. Ça devrait régler le souci. J'ai quand même envie de faire plusieurs choses. De quand même commencer à refaire un petit quartier d'artistes ici. On avait libéré la zone lors de la révolution agricole dans le Nouveau Monde. Donc peut-être quand même faire un petit quartier d'artistes supplémentaire. Je pense que ça peut être pas mal. Côté Manola. Ça peut être pas mal du tout. Avec un bureau de poste. Ils ont besoin de quoi? Ouais, à mon avis, on a tout ce qu'il faut. Alors on va pas faire quelque chose de très grand. Et également, ce qui serait bien dans cet épisode, c'est continuer, hein, objectif 250 000. On va agrandir un petit peu encore cette zone-là. Il faut surveiller le café. Je pense qu'on est encore juste en café, en vrai. Ce qui est terrible, mais c'est comme ça. Il va peut-être falloir que je mette encore un autre bateau. Et également, ce qui pourrait être pas mal, c'est de fournir l'électricité. Côté Kronfall, au niveau de ce quartier. Et pour ça, j'envisage d'avoir plus de gaz qui arrive à Kronfall. Donc on va se faire une petite mission en Arctique. Mission gaz. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors juste avant, ce que j'aimerais, c'est un petit peu juste élargir ici mon quartier. Alors je sais pas si je fais deux rangées ou une seule. Ouais, je vais peut-être faire en fait... Ouais, je vais peut-être la jouer. Ouais, je vais peut-être faire deux rangées comme ça. Commence à être grand. À force, ce quartier, c'est bien. C'est ce qu'on veut. Ah, pourquoi j'arrive pas là? Ouais, c'est bon. Je pense qu'après ça, on touchera plus. On va plus avoir de nouvelles maisons ici. L'objectif, ce sera d'avoir des gratte-ciels. Donc, ok. J'ai bien envie d'avoir un peu plus d'ingénieurs encore. Toujours plus. Il y a les mains qui traînent là. Effectivement, je suis aussi pressé d'avoir des investisseurs. Parce que l'objectif, ça va être d'avoir un quartier de gratte-ciel organisé autour de ce parc. Avec des différents gratte-ciels, ingénieurs et investisseurs. Je pense que ça peut donner un effet assez sympa au niveau de la ville. Donc on va voir, on va laisser monter la population là. Hop. Je pense que je suis pas mal. Ici. Alors on a dit mission en Arctique, mission gaz et petit quartier dans le Nouveau Monde. Alors on va commencer par la mission gaz. L'objectif, alors on exploite les deux plateaux gaziers. J'ai pas envie de me lancer dans un troisième plateau gazier. Ce que je compte faire, c'est ici à Gozoville 1, de mettre une longère arctique, on va tout de suite la mettre, et de mettre des items qui boostent nos mines de gaz. Et il existe deux items pour ça, par contre je les ai pas, va falloir les fabriquer. Ah, je suis pas obligé de relier par une route. Les deux items en question, on les fabrique grâce à Nate, ici. C'est celui-ci, la boîte à musique qui fait plus 20% de productivité sur toutes mes productions en arctique. Et surtout, c'est celui-ci. Non, pardon, pas celui-ci. Il est où? C'est lui. Extracteur de gaz, plus 40% au niveau des mines de gaz. Donc c'est surtout celui-ci. Et pour ça,
Alors, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Ce qui me manque, c'est les fameux débris articles. Alors, je sais plus, la ferraille de l'article que l'on trouve dans le brouillard de guerre qui est dans le coin de la map là. Donc, on va prendre un dirigeable et on va essayer d'aller un petit peu fouiller ce coin. C'est la mission de l'épisode. Fouiller le coin pour récupérer de la ferraille. J'en ai 14. Faudra en trouver. Je leur fais voir combien il en faut exactement. Je crois que j'en ai 14 en réserve. Hein. J'avais vérifié. Ma ferraille, on l'a normalement ici. Je vais quand même regarder à nouveau. Alors, je sais plus si ça s'appelle ferraille d'ailleurs. Ah, j'en ai 16. Ferraille de l'expédition perdue. Ok, j'ai envoyé mon dirigeable. Et j'en ai besoin de combien en tout pour créer les deux objets? J'en ai besoin de 10. Plus 50. J'en ai besoin de 60. 60 moins 16. 44. J'ai besoin de 44 tonnes de ferraille, sachant que je vais devoir envoyer de l'acier et du salpêtre. Ici. Acier et salpêtre. Je vais de suite le faire. Je prends un cargo avec de l'acier et du salpêtre parce que je suis pas sûr d'en avoir assez. On est pas mal, on est à 249 000, on va enfin les faire les 250, je pense. Ça fait 4 épisodes jeudi, on va faire le 250 000. Mais ça n'a pas été évident, beaucoup de soucis. Et là on commence à être à un niveau de population où ça commence à être compliqué et intéressant à la fois. Donc acier et salpêtre, on va faire ça, tac tac. Alors à la limite, est-ce que j'ai les vins de gaz là? Ah non, j'ai plus de gaz, c'est terrible. C'est terrible de voir ça, plus de gaz à Kronfall. Alors, est-ce que j'ai des explosions? Non. Ok, donc c'est bon, ça suffit. L'Arctique, on va en Arctique, toi, c'est parti. Ouais, ce qui est terrible, en fait, c'est que j'espère que ça va suffire, en fait, ces deux objets au niveau de ma longère Arctique, parce que là, j'ai besoin de 5 tonnes de gaz, et pour le moment, j'en ai 6, normalement, si je fais gazo-voilouine et gazo... Ouais, j'en produis 6, pour un besoin de 5 qui tend quand même dangereusement vers 6, quoi. J'espère bien que ça va suffire pour pouvoir me permettre d'avoir une usine de gaz supplémentaire, enfin une station électrique à Kronfall supplémentaire, hein, mon move. Mais j'en suis pas sûr, en vrai. J'en suis pas sûr. On va le tenter. En tout cas, on est parti pour. Alors, il est arrivé. Alors, le but, c'est voilà, bah, tout simplement, c'est de retrouver ces caisses-là. Donc c'est bien, là il y en a déjà deux. J'ai eu un peu de chance. Oula, ce que j'ai fait avec la caméra. Là il y en a une. Un peu planqué, est-ce que j'en ai pas raté? Alors là, ben là on va pas aller loin. Hein. Avec une tonne de ferraille, on va pas aller loin. J'espère que je vais trouver mieux que ça quand même. Le peuple célèbre vos... Là on en a aussi. Alors là faut fouiller, de toute façon il n'y a pas le choix. Ouah, c'est que un à chaque fois là, c'est ouf. Il me donne que du 1 à chaque fois et qu'il faut que j'en trouve 44, on a dit. C'est pas fini, hein. Réglage des volets porteurs. Droit vers l'horizon. En plus, on n'en trouve plus. Réglage des volets porteurs. J'espère que j'ai pas eu de chance. Mon 1 et 1 là, j'espère que ça va vite se transformer en 5, au moins 5 dans les caisses là. Parce que à base de 1, ah j'ai cru que ça en était ça, mais non. Base de 1, on va pas aller loin. Hein. En plus j'en trouve plus. Je sens que ça va être le mauvais plan ça. Le mauvais plan. Oh là là, il y en a point. Les caisses. Ah si, là. Ouh, là, en plus, on dirait que c'est une grosse caisse, ça. Là, on a une grosse... Oh, il y en a deux, là. Alors, on dirait que là, il y a de la grosse caisse. Oh non, c'est quoi, ça? Affecte usine de parka et usine de sac de couchage. Nul. Oh, je suis deg. Mais pas du tout ça, quoi. Alors, attends, il y a une autre caisse, là. Ouais, mais si ça me fait que du plus 1, il va falloir que... J'abandonne la mission là parce que... Ah voilà, plus 5, ok, nice.
5 par 5, ça va aller vite, mais... Ah oui, je suis au bout de la map, là. Au bout de la map. On va le faire venir ici un petit peu, mon ami. Là. Ah, mais je trouve des objets, quoi. Bon, peut-être, hein, peut-être on va trouver le truc de l'article, là. Incroyable, hein. Ça m'irait pas mal, hein. Il y a un village abandonné, ici. Pour le moment, je suis à 7. Alors souvent, c'est peut-être là qu'on peut en trouver un, hein, des caisses là, dans ces failles là. Ah, là on a quelque chose effectivement. Le vieux Nate est de bonne compagnie. Son rire est communicatif. En avant toute. Ah, j'ai débloqué une mission. Ok, donc là 10, ok, on en a chopé 3. Ouh là, il y en a. Faut suivre le chemin là. Le chemin des caisses. Moteur engagé. Là j'en ai chopé 3, pas mal. 4, ok, ça y est, ça a l'air de... Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Ça a l'air de venir. Moteur engagé. Droit vers l'horizon. J'ai besoin de trouver... Ah, là, il va peut-être y avoir quelque chose. Là, je vois qu'il y a du... Je vois qu'il y a des choses là, par terre, mais non, on n'a pas de caisse. Ah, il arrive avec le salpêtre. Bonne nouvelle. Moteur engagé. Et c'est long à trouver, hein, cette histoire. Hein. En avant toute. Y a rien là. Non, je suis trop proche du bord. Droit vers l'horizon. Ah. Parfait, ici. C'est quoi ça, un chimpanzé? On a trouvé un... Ah, c'est pas mal, on a trouvé un objet de musée qui appartient à une collection. Comme ça. Parfois, pourquoi pas, hein. Et bon, moi, ce que je veux, c'est les petits débris, quoi. Ah, là, il y en a un petit peu. 14. Alors, on a fait pratiquement la moitié. Ça dit qu'il en fallait 46, non pas tout à fait quand même, on est à 19. On veut 46. Réglage des volets porteurs. Bien regarder dans ces failles là. Oh, ici. Alerte générale. Petite caisse ici. 23, ok, là c'est bien, on les trouve 4 par 4, ça y est, là maintenant on est à la moitié. Ah non, il en faut 44, on est à plus de la moitié même. Là aussi, il y a du cadavre. Hein. Moteur engagé. En avant. Allez, qu'on me donne des caisses, là. On va essayer d'aller plus dans le coin, là-haut. Au loin. Loin au bord de la map. Droit vers l'horizon. Bon, j'aimerais aller... Ah oui, j'aimerais aller ici, moi. Et là-bas. Un peu loin, là, dans le coin, là. Je suis sûr qu'il y a des trucs sympas, là-bas. Le plus loin possible. Jamais aller, on va peut-être découvrir un truc incroyable. Je sais pas, mais on trouve pas de caisse, hein. Voilà, on peut pas être plus au nord. On peut pas être plus au nord. En avant toute. Oh là. Oh attendez, là il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc de ouf ici. On a peut-être pas fait tout ce chemin. Ouais, bon, c'est pas ouf, mais il y a eu 5. Il y avait 5. Là, je suis le plus au bord possible, là, je peux pas aller plus loin. Récupérer. C'est une découverte historique. L'homme de glace. Un primo homme inité. Ah attendez, si on a découvert quelque chose en fait là. C'est où? Récupérer Hostile, l'homme de glace. Attendez, on a trouvé un truc là. Moi je vais tout au bout, mais a priori là il y avait un truc là. Hostile, l'homme de glace, il est où? Il est là. C'est quoi ça?
Momie préhistorique, livrée au comptoir aérien momie. Alors attendez, deux secondes, je veux finir mon ma quête là, mes objets quoi. Hein. D'accord, c'est sympa, mais moi j'ai besoin de. Et on a débloqué une caisse, une quête en vrai, ça va être assez curieux de voir ce qu'on va avoir. Je vais suivre le chemin ici, voir. Peut-être découvrir plein de trucs. Il y a un chemin là. Bon là, il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. Nous en manque encore un petit peu. On est à 28. Il manque des caisses. On trouve plus. Ah. Là, il y a du monde. Alors peut-être qu'on va avoir des caisses. Pas facile, hein, cette histoire de caisses à trouver là. En vrai, je suis curieux de savoir ce que ça va donner cette caisse. J'ai 26 minutes, faut que je fasse gaffe. Réglage des volets porteurs. Vraiment, je vais quand même arriver. Ah là! Ouh, plus 4. Allez, on en tient le bon bout là, il nous en manque 12. Alors, des fois, il y en a. Quand il y a une caisse, il y en a souvent une autre à côté, quoi. J'ai l'impression. Oui, souvent deux par deux. Malheureusement, là, ça a pas l'air d'être le cas. Punaise, je l'explore. Hein. Exploration de la calotte glaciaire. Ah, ici. Ah, que deux. Pourquoi que deux? Pourquoi que deux? C'est pas terrible, deux. Hein. Ah, là, il y en a une aussi. C'est bien, c'est bien. Alors, ça s'enchaîne pas mal. Plus 4. On a dit qu'il en fallait 44. On a 38. Réglage des volets porteurs. Pas trop l'explorer là-bas. En avant toutes. Moteur engagé. Brouillard et TP ici, hein. On va quand même finir cette caisse, hein. Cette quête, on sait jamais, hein, parce que ça peut peut-être nous donner un truc incroyable. J'aimerais bien trouver mes dernières caisses en vrai, hein. Réglage des volets porteurs. Il y a rien, on trouve rien du tout. Ah, ici. Réglage des volets porteurs. Bien vu. Voilà, qu'un seul. Allez, plus que 5. Droit vers l'horizon. En avant toute. Là, je suis trop loin, là. Je me rabaisse un peu, je pense. Ah, j'ai cru que c'en était ça. Ça n'est pas une. Ah, là par contre, oui. Plus 2, allez, plus que 3. Allez, la dernière caisse sera la bonne. J'espère. J'espère. Ouais, j'espère. J'ai cru que c'en était ça. Pas trop aller dans ce coin. En route. On est en train de reprendre un peu de hauteur. Réglage des volets porteurs. On n'y arrive pas. Hein. Je pensais pas que ça serait si long. Allez trouver. Ah, allez, dis-moi qu'il y en a 3 là. 4, parfait. Allez, c'est bon, rentre au bercail. Tant qu'à faire, on va. L'objectif là, la momie préhistorique,
on va retourner à Crownfall. Ça, c'est cool. On a mis un peu de temps, mais c'est fait. Comment ils se portent, mes ingénieurs? Ils ont l'air de bien se porter. Ici, on veut des amis. Alors là, pareil, des ingénieurs. Alors, ok, je voulais voir ça, donc c'est plutôt pas mal. Le courrier international, est-ce qu'on a réglé le problème? Je pense que oui, normalement. Ouais, ça remonte bien, donc ça c'est plutôt cool. Là, ça remonte, on a les artisans qui sont entrés. Alors, les artisans, les ouvriers, je suis un peu étonné. Ah oui, non, mais les ouvriers, c'est normal. Ouh, pourquoi on a un problème de Rome? Ah, stockage de sortie saturée au niveau de la bière. Pour ça. On a un petit problème de rhum au niveau du besoin et confort ici. Le rhum. Ah ouais, le rhum. Le rhum ne... Alors le rhum, normalement, de toute façon, on est autonome maintenant. Hein. On est censé être autonome. Alors... On en produit, on en a besoin de 98, on en produit que 85. Donc forcément, il y a un problème. On n'est pas tout à fait autonome. Ça se joue au niveau de cette corporation. Alors vous savez quoi, ça va pas être compliqué mon histoire. Je vais rajouter des, distilleries. Par contre, il va falloir faire gaffe aux pommes de terre. Alors, je vais essayer de scaler ça là. On va rajouter quelques distilleries là pour le rhum. On va quand même faire gaffe aux pommes de terre, effectivement. Hop, là, ça passe les trois. On va voir ce que ça donne avec trois distilleries en plus. Déjà, c'est pas mal. Ouais, ça devrait être déjà pas mal, je pense. Je vais même en remettre une. Mais j'ai peur qu'on ait pas assez de pommes de terre. Mais bon, on va essayer. Pénurie. Ah mince, par contre. J'ai pas l'électricité qui va jusqu'à là-bas, sans déconner. Ah oui, non, mais parce que j'ai cassé la route. Ouais, là, je suis bon. Et on a un stockage en bière qui galère. Alors, stockage en bière qui galère, ce qui pourrait être bien, c'est de voir si dans le Nouveau Monde, on a beaucoup de bière qui arrive. Ouais, non, on est full en bière dans le Nouveau Monde, donc c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf, c'est pas très grave. Ce qu'on peut faire, c'est en vendre de la bière. On peut vendre le surplus. On pourrait en vendre le surplus. Alors avant, on va à l'Antarctique quand même. Parce que bon. Objectif. Livré au comptoir. Faut que je fasse quoi? Faut que je fasse ça juste? Bah j'y suis au comptoir là. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il me le prend pas? Pourquoi il me le... Ah non pardon, c'était pas là. C'était au niveau de ici. Je devais le livrer. Alors l'objet de quête. La momie. Technicienne, dis-moi... Oui, j'ai complété la quête. Tout à fait bienvenue. Ah, et du coup... Et ouais, du coup, on récupère le squelette néandertalien qui est un objet de quête. Ah, mais c'est pas mal, ça. Il va falloir le ramener. Alors, ce qu'on veut, nous, surtout, c'est prendre toute notre ferraille. Toute notre ferraille. Du salpêtre, on a dit. Ah ouais, le salpêtre, il doit être là. Et du fer. Alors, je sais plus s'il faut du bois. J'ai un doute. Est-ce qu'il faut du bois pour le vieux Nate? Ouais, il faut du bois. Il faut du bois. Ah oui, il faut juste un peu de bois. Ok. Altitude de croisière. Alors, on va déposer ça. On va prendre du salpêtre, du fer. Non, pas du fer, de l'acier, pardon. Et du bois.
des planches en bois. Soyons précis. Et on va aller avec ça chez le vieux Nate pour récupérer nos précieux objets. Alors, en attendant qu'il arrive chez le vieux Nate... Alors, je suis où, là? Je suis perdu, là, Crownfall. Ouais, je suis là, ok. On va faire évoluer mes ouvriers en artisans. Alors, ça baisse. Les ingénieurs, la population d'ingénieurs baisse. Ouh, c'est à nouveau les glaces qui posent souci. Mesdames les glaces. C'est à nouveau les glaces qui posent souci. Ok, c'est pas très grave. On va regarder. Je pensais que m'étais mis un petit peu de côté cette histoire de glace. Alors, ce qu'on veut, c'est ça. L'extracteur de gaz abrasif, s'il te plaît. Ah mais j'ai oublié, il faut du gaz. Pourquoi il me dit que j'ai pas assez de salpêtre? Matériaux manquants. Il me dit j'ai ça. Ah punaise, c'était pas du salpêtre, c'était du caoutchouc. Les hangars, ça prend de la place. C'est du caoutchouc qu'il me fallait. Oh non. Et là, du caoutchouc, il n'y a aucune chance que j'ai du caoutchouc en Arctique. Aucune. Oh là là. Du caoutchouc. Il faut un bateau. Qu'il y ait un article, me rapporter du caoutchouc. On va prendre lui, il va être assez rapide, je suis dépité. Du caoutchouc. J'ai confondu caoutchouc et salpêtre, ça se ressemble un peu sur l'image. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des glaces? Glaces, on en a besoin de 16 tonnes, effectivement. Alors c'est pour ça que ça serait bien, en fait, pour régler un petit peu ce souci. C'est de... Alors, glace, Crownfall, Manola. D'avoir des... ça rééquilibrerait d'avoir un petit peu des... Ouais, normalement, on en produit assez. Alors, on en produit juste assez, mais on en produit assez. D'avoir des investisseurs, ça rééquilibrerait un petit peu tout, quoi. Alors, amène du caoutchouc, mon ami, hein, parce que malheureusement... Forcément, ici, on n'a pas de caoutchouc. Tout va bien. Attendre qu'un bateau qui arrive avec le caoutchouc. Ça devrait pas tarder. J'ai tellement de bateaux sur la route du caoutchouc que ça devrait pas tarder. On les fera pas, hein, les 250 000 encore. Hein. On va pas les faire. Hein. C'est une barre difficile à passer. Par contre, j'aimerais bien voir quand même. Je dis ça sur ma route. Les glaces un peu. Et ouais, j'ai bien un bateau. Frigorifique. Ils viennent les poser d'ailleurs, les glaces. Donc ça devrait être ok. On va mettre un deuxième bateau. On va mettre un deuxième bateau, on n'a pas le choix. On en a beaucoup des glaces. Hein. Alors est-ce qu'il y a un petit peu de caoutchouc qui arrivait? Toujours pas. Qu'est-ce qu'ils foutent avec le caoutchouc? Qu'est-ce qu'ils foutent? Caoutchouc. Vraiment, j'ai plein de routes. J'ai plein de bateaux et j'ai pas un caoutchouc qui est capable d'arriver à Crownfall, là. Eh ben non. Ah si, ça y en a un qui arrive, là. Il arrive au port. Ça doit être lui. Ou lui. Ça y est, là, on a un peu de caoutchouc. Alors, je vais pas en prendre beaucoup. Il en faut que 10, parce que le caoutchouc est précieux. On va en prendre 20, allez. Allez, c'est parti, va en Arctique, mon ami. Hein. Va en Arctique. Alors, en attendant, ce qu'on peut faire, c'est lancer un match de foot. Et on va mettre un deuxième bateau pour les glaces. Je pense que c'est essentiel. Alors, on a vu qu'on était un peu juste. Je vais quand même agrandir ma quantité de glace.
Quelqu'un dans les commentaires m'a dit que j'avais pas relié un espace à la route dans le Nouveau Monde. Mais en fait, c'est normal. C'est cet espace où il y a les réserves d'Hacienda. Elles n'ont pas besoin d'être reliées à la route. Donc ça, c'est pas grave. Il n'y a même plus de place pour une aiguille dans cette botte de foin. Je vais en rajouter qu'une seule de usine de glace pour être assez large. On avait fait de la place en plus. Un verre de jus pour vous humecter la gorge. Parce que de toute façon, le stock est plein, hein, donc bon. En café, on est comment ici, là? Maintenant qu'on a, on est encore bien plein en café. On n'est pas très loin du 250 000 quand même, hein, les amis. Hein. On va peut-être le passer, là. Il nous manque 50 habitants. Est-ce que ça va le faire? Et ça pousse doucement. Aïe, 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 ça rediminue. Non, je les ai pas. Je les ai pas. Il nous manque ça. Et non, hein, on n'y arrive pas, hein. Il nous manque ça encore à transformer. On va le faire. Peut-être qu'il va nous faire passer au-dessus. Peut-être. Et non, ça diminue drastiquement. Je crois que c'est les ouvriers qui posent problème avec leur rhum. Leur satané rhum. Ouais, c'est ça. Le rhum n'arrive plus chez les ouvriers. Génial. Et j'ai un stock de sortie en bière, faut la revendre la bière. Faut revendre la bière. Les glaces, on a vu que c'était bon. Mon bateau, il est en train de rejoindre l'Arctique. Ouais, on va essayer de revendre un peu de bière sur ma route là, qui revend l'eau de vie. Est-ce que je peux pas faire un petit partage intelligent de revente de bière? Non, c'est pas là. Ou alors, est-ce qu'à TP Grandé... Dans le Nouveau Monde, ils auraient pas besoin d'un petit peu de bière, là, les amis. Votre navire est revenu de son voyage. Ah, ils en reçoivent déjà. Ils en reçoivent déjà. Donc, non. La réponse, du coup, est non. Okay. Alors, il est arrivé, mon ami, là. Avec le fameux caoutchouc. On va virer le salpêtre. Donc à faire, je vais déposer ça aussi. Je vais virer le salpêtre. Et je vais prendre le caoutchouc. Et du gaz, il me faut du gaz. Faut que j'aille chercher du gaz. 10, ça suffit, je pense. Faut que j'aille chercher du gaz. On va aller le récupérer là. Et j'étais en train de me dire, est-ce qu'on peut revendre de la bière au Nate ? Interne cap. On a un bateau là qui revend de la bière. À Nate. Ouais, mais on a un stock qui est bien plein là. Ah. Ah oui, c'est lui. Oh, mais alors lui, il va prendre de la bière là. Il a un petit stock là. Prends de la bière là. T'as un petit stock de dispo là, tranquille. Alors ce qui me fait peur, c'est du coup j'ai rajouté 3 usines et que mon stock d'eau de vie il est bien en train de remonter. Mais bon, on va le jouer comme ça. Dans un premier temps, pour un petit peu évacuer de la bière. Mais je pense que ça suffit pas. Faudrait... Il en faudrait un dédié. Ah, alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à Molière, ils ont plus de bière. Est-ce qu'ils en ont déjà eu? Navire construit. À Molière, est-ce qu'ils ont déjà reçu de la bière? Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. J'ai pas l'impression. Ah non, mais je suis à l'autre ville, là. Hier. Interne cap, Molière. Ah, j'ai pas l'impression qu'on leur donne de la bière à Molière. Ça serait bien de le faire, en vrai. Alors, pas au 100. Alors, même peut-être au 100, d'ailleurs. Au moins on écoule notre stock. Ouais, on va faire ça. On va donner de la bière au sang. Et ici,
à Molière. Au moins, on va écouler notre stock de bière un peu. Ce qui n'est pas complètement con. On va mettre un... On va faire une route. Je pense que j'ai pas de route bien pour faire ça. Entre, ouais... Enfin, dont je peux me servir déjà. Ouais, j'ai que des routes pleines. Hein. Ah, j'ai celle-ci. On pourrait... C'est la fameuse dynamite. Alors la dynamite, est-ce qu'on a du stock? Ouais, on a du stock. Ah, mais on va s'en servir alors. Mais finalement, on va, pour le moment, on va en donner qu'à Molière. Tant pis pour les 100. Ah, j'hésite parce que franchement, j'ai un gros, gros stock de bière à écouler. Non, mais je vais faire un... Ouais, là, ça a l'air stable. Donc ça, c'est bien. J'en revends. Donc ce que je vais faire en vrai, je sais. Je vais faire une nouvelle route. Route commerciale. Cronfall. Molière. Les 100. Et là, c'est parti. De la bière. Alors, on va prendre un navire. Un cargo classique. Là, le Cassiope. Et il va aller me fournir de la bière à tout le monde. Alors, à Molière, je pense... Alors, il m'en faut plus à Molière qu'au 100. Je vais peut-être la jouer comme ça, là. Mettre 15. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Ça va nous permettre de tendre le flux de production et du coup de générer du rhum en continu, quoi, parce que là, il nous en manque. Hop, c'est parti. Ah, j'aurais peut-être pu... De la bière, en vrai, je l'envoie à Manola. J'aurais peut-être pu passer par... En cross-cap Nouveau Monde. Ah, mais non, mais je l'a... Ah, je le faisais déjà. Alors, attendez, j'ai un souci. C'est débile, ce que j'ai fait. C'est débile. Et ouais, je me perds dans mes routes, ça y est, il commence à y en avoir beaucoup. Donc ça, en fait, ça n'a pas lieu d'exister. Je supprime cette route. Je supprime cette route. Supprimer. Là, j'ai deux bateaux. J'en dépose pas assez. Je reviens plein. Faut que je passe par... Faut que je passe par les 100. En deuxième. On va plutôt faire du 5 ici. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. J'hésite à mettre un... Ouais, ça va être tendu parce qu'il va plus beaucoup en... On va plus beaucoup en recevoir. Alors à Molière, il n'y en a pas assez. À TP Grandon, et comment? On est bien. Et à Manola aussi, ok. À Molière, on n'en reçoit pas assez, en fait. En même temps que 5, je sais pas ce qui m'est traversé par la tête pour mettre que 5. À Molière, alors qu'on a quand même du monde. À Molière, ouais, effectivement, là, on va mettre 10. Ce qui fait qu'on va quand même en priver, on va en avoir beaucoup moins à Manon, là, de la bière, hein. On en enlève un petit paquet du coup en faisant ça à Manola, mais on va voir ce que ça donne. Pareil, ça va pouvoir un petit peu tendre le flux. On va voir. Allez hop. Ok, on va regarder ce que ça donne. On va en donner au 100, c'est bien. Alors, fais voir un petit peu notre population là, ils sont comment? C'est des glaces, hein. Il manque des glaces de toute façon. Les glaces, j'envisage de tout simplement de mettre un deuxième bateau. Je vais le faire. Un deuxième bateau pour les glaces. C'est parti.
Ok. Simplifier mes instructions aux ouvriers. Le café s'est bien remonté, hein. Ça c'est cool de voir ça. Avec notre cargo frigorifique qu'on a mis en plus. Je pense que là on devrait dépasser les 250 000 enfin les amis. Boum, ça y est, 250 000 population. C'est bien, on va peut-être pas y rester très longtemps, mais en tout cas de voir ce chiffre, ça fait plaisir. Alors un article, on n'a pas fini notre histoire. Hein. Le fil rouge, là on veut du gaz. Alors du gaz, putain j'en ai peu, j'en ai 4. On va essayer de tout le choper, il m'en faut 10 je crois. Je sais plus, combien il en faut du gaz ? Cherchez quoi ? Ah, il en faut 20. Le ciel est dégagé. Ils ont la grippe, les mecs. Vas-y, je vais les prendre petit à petit. Est-ce que j'ai une petite réserve là-bas ? Paré, attendons les ordres. En gaz. Toi, j'ai que 4 de toute façon. Il faut 20 gaz. De toute façon, c'est lent. Mais j'ai pas le choix. Destination. Peut-être aller là-bas en attendant. Je vais prendre le 1 là. Ah là, il y en a 3 qui ont été générés. Ok. Et en attendant, je vais aller là-bas. En récupérer. Il y en a 5. Sacrée histoire, hein, cet épisode. Sacrée histoire, tout ça, là. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. On calera la centrale à gaz, ça sera pas mal. Les glaces, on devrait être bon. Alors, le rhum. Alors, c'est bien déjà de voir que du rhum, là, ça y est, on en a. Et est-ce que c'est reparti un peu la production? Pas des masses, hein. En tout cas, on n'est plus en stock tendu, là. Mais c'est limite. Si je fais Rome, là. Et ouais, 80... Ouais, on a une capacité de production suffisante, normalement. À présent, on a une capacité de production suffisante, mais on est quand même assez juste. Les pommes de terre... Un petit peu juste aussi, mais bon. Ça suit son cours. Alors, un article. On va finir cette histoire d'article, là. En espérant pouvoir poser notre centrale. Alors, le gaz. J'espère que je ne me le suis pas fait chourer. Ah, voilà. Là, j'ai 14. Parfait. Ok. Alors, gauche et le vieux net avec tout ça. On va aller faire nos petits échanges de bons procédés. Et je sais pas si ça va suffire. De rajouter 60% de prod, je sais pas si ça va suffire. Le peuple célèbre vos qualités. Ça, à mon avis, ça va être juste. Donc il faudra peut-être trouver une autre solution, mais bon, on l'aura tenté. On est en train d'arriver là. Ça va être le gros. Alors maintenant, ça y est, on veut ça, mon ami, là. Alors, on va pas se tromper d'objet. Hein. C'est ça qu'il nous faut. Transmuter. Et il nous faut ça. La boîte à musique. Transmuter. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Hop. Et maintenant, on retourne à Gazoville. One. En route. On va aller mettre ça là-dedans et on va voir ce que ça donne en termes de gaz. Pas lui. Pas lui non plus. C'est lui qui vient récupérer le gaz. Non, je suis même pas sûr. Altitude stable. Il est en train d'arriver. Il est un peu à contre-vent. Le ciel est dégagé. On va l'attendre gentiment. En avant toute. Ça y est, il est là. Alors on produit en 1 minute 30, on devrait produire en 1 minute quoi, hein, avec cette histoire. Ça suffira pas, c'est impossible en fait, en train de me dire. Ça suffira pas pour rajouter une... On va voir. Hein.
Alors, on produit en une minute, plus ça. C'est en 56 secondes, là, on produit du gaz. Donc, ça accélère un petit peu. C'est pratiquement comme si on avait rajouté une mine de gaz. Donc, effectivement, ça suffit pas. En théorie, ça suffit pas. Alors, on avait un peu de marge. On va regarder à présent. Gazoville 1 et Gazoville 2. Mince, on ne s'est peut-être pas mis à jour. On est à 6. Alors, ça, on est un peu plus de 6, mais ça suffit pas. C'est dommage. Mais ça ne suffit pas. C'est comme ça. On va voir exactement. Là, j'ai hâte de voir quand le graphique se sera mis à jour. Et je pense qu'il va falloir, malheureusement... Alors, c'est bien parce que ça va nous donner un petit peu de marge quand même sur le gaz, cette histoire. On n'avait pas beaucoup de marge. Mais je pense qu'il va falloir exploiter peut-être du pétrole. Peut-être ici. C'est-à-dire là, remettre une centrale à pétrole ici. Pour pouvoir mettre une centrale à gaz... Plus loin là, j'ai pas envie de tirer mon rail jusqu'à là-bas au niveau du parc pour pouvoir alimenter toute cette zone. Je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Ouais, ça me paraît bien. Sachant que du pétrole, je pense qu'on en a, on en a pas mal en stock. On est full, donc bon, pas trop de pas trop quand même. C'est pas très grave. On a bien fait de le tenter. Je vais regarder si ça s'est mis à jour là au niveau du gaz. Alors, compte fois, on a besoin de 5 tonnes effectivement. Gazoville 1, Gazoville 2, on est toujours à 6 tonnes, on n'est même pas arrivé à 7 tonnes quoi, avec ces objets, donc bon, ça s'est pas mis à jour ma courbe, parce que normalement je suis censé quand même voir une petite augmentation. Ah ça y est, ah, est-ce qu'elle se négocierait pas cette petite usine en plus là, je sais pas si je... Parce que après, à chaque fois qu'il y a une explosion d'une mine de gaz, c'est la crise, vu qu'on était très proche là. Là, ça nous donne un peu de souffle, au moins, c'est pas mal. Ouais, je pense pas. En vrai, je pense pas que je vais aller tenter de mettre une centrale de gaz. Il est un aimant à génie. Et ouais, c'est 45 secondes, en fait, le délai de traitement. Et on a gratté une trentaine de secondes au niveau de la... Donc, ça suffit pas. Mais vu qu'on a... Ouais, peut-être on serait pile poil quoi, peut-être, mais bon, j'ai pas envie de le tenter, j'ai pas envie de me mettre en flux tendu sur cette marchandise, donc on verra ça. En tout cas, dans le prochain épisode, on se débrouille, on fait arriver de l'électricité ici, au niveau de ce quartier, et on va commencer à avoir nos premiers investisseurs, et on va tout doucement se diriger vers les productions des ascenseurs qui vont nous permettre de commencer à avoir nos gratte-ciels. Voilà pour la suite, salut à tous.